point vert avec tout ça, c'est que vous devez savoir que beaucoup de riches aussi sollicitent par la méditation les esprits des anciens inventeurs, des gens qui ont accompli de grandes choses sur cette planète pour en faire un conseil collectif et pour discuter avec eux de leurs prochaines transactions. Ce que je vous dis, c'est très sérieux. Classe avancée pour les riches, ceux qui savent ça. Encore très dangereux parce que vous donnez l'opportunité aux Dibouk, aux démons qui étaient là, présents à l'époque, de tous ces inventeurs, de toutes ces personnes qui ont transformé notre société, dont vous, par la méditation, invitez dans votre conseil, votre cerveau collectif, et ensemble vous discutez de décisions, et ils vont vous donner de vrais conseils. Pourquoi? Vous allez dire, ben, c'est vraiment eux autres qui étaient là. Ceux qui ont inventé ceci, ceux qui ont inventé cela, ceux qui ont changé notre économie, les plus grands investisseurs qui sont morts. Je parle à leur esprit. Vous parlez alors aux Dibouk qui étaient présents à l'époque, qui vous transmettent de l'information. C'est comme les magiciens qui sont capables de vous dire qu'est-ce qui est arrivé dans votre passé, ou les médiums. Oui, ils sont capables d'avoir l'information, ils peuvent tout savoir sur votre vie. Parce que ces démons sont parmi nous et leur fournissent l'information. Mais vous devez savoir que ange, démon, Yetzara qui est mauvais penchant, toutes les entités, il y a seulement un roi des rois des rois qui est le Tout-Puissant. C'est pour ça qu'on l'appelle le Tout-Puissant, auquel toutes ses forces sont soumises. Même Ashmadai, qui est le pharaon des démons, est soumis à genoux et devant le roi des rois des rois. C'est lui, selon les actions qu'on entreprend, qui envoie vers nous les tests ou les situations selon nos décisions. Écoutez, si vous êtes, il y a beaucoup de riches qui ont ce problème-là. Vous êtes riche, mais ultra riche. Parlons des ultra riches, mais riches peu importe. Faites attention, parce que parfois, c'est ça le test. Pour vous détruire, on vous donne toute la fortune comme test pour savoir comment vous allez gérer la situation. Et est-ce que vous allez vouloir vous prendre plus que le roi des rois des rois? Est-ce que vous allez vouloir les dépasser? Donc, c'est la même chose aussi. Lorsque vous faites un pacte, ne faites pas de pacte. Vous signez avec votre sang pour avoir des avantages. Encore une fois, pour forcer les planètes à vous servir, pour forcer les anges à vous servir. Vous croyez que si vous volez le fournisseur, il n'y aura pas des conséquences? Pour le moment, il y a les accidents, les maladies et les malheurs. Trois conséquences automatiques. Accident, maladie, malheur. Et, cause finale, si vous n'êtes pas capable de passer votre tableau sur cette terre, c'est comme un...